Bonjour tout le monde, François Lemay ici, en direct de Lyon, une fois de plus à travers les saules pleureurs. Puis aujourd'hui, pour une petite vite en pleine conscience, je parle avec vous de l'impact de la nature sur l'esprit humain. Est-ce que vous êtes comme moi, quand vous allez marcher dans la nature, ça vous fait du bien? On dirait que je suis Tarzan avec mes lianes. Oh! En fait, je suis en train de marcher, je suis près d'un parc présentement, puis je suis en train de me dire, est-ce que c'est possible d'être nerveux, d'être stressé quand on vient dans la nature? Soyez honnête avec vous. Quand vous allez marcher dans le bois, dans la nature, est-ce que ça vous fait instantanément du bien? Si oui, lève la main, lève la main! Est-ce que ça vous fait du bien? Souvent, je pose cette question-là dans mes conférences et la majorité, tout le monde dit, ah, ça me fait du bien. Mais est-ce qu'on y va assez? En réalité, tout est déjà là dans la nature. Toutes les vidéos que je vous partage, toutes les conférences, tous les enseignements que je fais, peu importe dans les retraites, dans tout ce que je fais, tout est enseigné avec la nature, les cycles de la vie, la semence. Là, l'intention va donner le fruit de l'intention à la base. Donc, si tu sèmes un citronnier, un grain de citron, mais ça va donner du citron. Si tu sèmes un orange, hein, vous savez, un grain d'orange, ça va donner des oranges. Donc, le citronnier ne donnera jamais des fruits sucrés et l'oranger ne donnera jamais des fruits très amers. Donc, en fait, l'intention, les cycles, le changement, la flexibilité, l'acceptation, tout est là dans la nature. Tout est là. Et la réalité, c'est que quand on y va, c'est la paix qui s'installe à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de rien faire. Quand on est dans la nature, on se sent bien. Le challenge que je vous donne, gang, pour vivre davantage en pleine conscience, reconnecter avec qui vous êtes vraiment, et un des outils les plus puissants, c'est d'aller marcher tout simplement dans la nature et se mettre à modéliser ce qui est déjà depuis la nuit des temps. C'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore ». On se revoit très bientôt. Bye tout le monde.